part explorer le Kama Sutra Temple. Youpi! C'est parti. Il y a 22 petits temples, mais il y en a des plus petits que d'autres. Hein. Il y en a, ils sont super impressionnants. On va aller voir les plus impressionnants. Celui-là est gros et impressionnant. Les plus travaillés, là. Il y en a des petits. Celui-là est plus petit. Celui-là est un peu plus petit. Il faut enlever les chaussures. Apparemment, la lingerie érotique existait déjà à l'époque. On vient de prendre 10 000 selfies là. Petite photo, petit selfie, photo de groupe, photo de famille, tout. Ok. Bon, maintenant, on va continuer. Aller. Moi j'aime bien les grandes choses. On va d'abord faire le plus grand. Celui-ci il est super impressionnant. Là. Oui. Ok, faisons ça. Et juste ici, un très beau monument. C'est super beau. Tu croyais que je parlais de toi comme ça? Oui, je voulais vérifier de qui tu parles. Cheval, il s'agit d'une vache. Belle vache. Alors on a compris la comptine, encore une fois, ranger les chaussures. Tu veux me dire ce qu'il y a marqué s'il te plaît? Je sais pas si c'est du braille, mais dans tous les cas j'arrive pas trop à lire. C'est incrusté. Du braille, de l'indi. Indi braille. Non, c'est pas. Indi braille. Indi braille. C'est vrai, ça ressemble à quoi le braille en hindi? Bah c'est du braille tout court, je pense. Du braille. Braille's braille. Chacun une jambe au sol, ça a l'air assez compliqué. Niveau équilibre, chapeau. C'est toujours des groupes, hein. Des groupes, il y en a deux à côté, on sait pas pourquoi. Ça tient la chandelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la scène? Ah ok, en fait il y a deux trucs abusés. Oh putain, il y en a un, il a la tête à l'envers, il fait le poirier comme toi. Et l'autre, il est penché... Et l'autre, elle se cache les yeux. Les jardinières ici, elles sont très courageuses parce qu'elles travaillent sous le soleil et elles sont dans une position que j'arrive pas trop à faire. Tu sais, elles sont comme ça et elles tombent pas, elles. Je sais pas comment elles font. En fait, un temple, c'est comme une femme. D'abord, tu vas juger l'extérieur, la carapace, et ensuite, on va entrer dans le temple et donc on va cerner l'intérieur de la personne, donc plutôt la personnalité. Je dis pas des conneries, je suis juste philosophique, ok? Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, on va voir l'intérieur. C'est la personnalité, c'est ça? C'est la personnalité maintenant. Ouais. Personnalité du temple. Bon, on en ressort. Conclusion après être rentré dedans. Bon, conclusion, celui-ci est très sombre. Je m'y sens moins bien. Je me sens mieux dans d'autres temples, alors que l'extérieur, pourtant, je l'aimais bien. Conclusion, il faut pas que ce soit trop sombre et trop humide et se méfier des apparences. Ce vlog part en couille.
Le parc est bien boisé, bien entretenu. Les fleurs sont magnifiques. Ce qui est super, c'est que c'est un ensemble de temples au milieu d'espaces verts. Et puis, il fait beau, on a un petit t-shirt, c'est super pour l'hiver. Fin de la journée, on a visité tous les temples. J'espère qu'on n'en a pas loupé. C'était magnifique. Je pense que c'est quelque chose à voir parce qu'on trouve pas les positions du Kama Sutra partout dans le monde. Et on en a vu des spéciales level puissance 10. Alors là, on sait pas tout faire. On se quitte avec ce magnifique sunset derrière ce temple, un des temples du Kama Sutra. Et maintenant, on va juste aller se déguster notre petit repas de Noël. Allez, ciao, bisous. C'est un repas en selfie. C'est vas-y. Ah, toi, il veut avec toi. Avec moi, avec toi, avec moi. Toi. You, me, who. Yeah. Ok, j'arrive. Tu peux me parler avec toi, s'il te plaît? Je me prends toi avec le coucou. On en a pour les éléphants, pour les plus gourmands. Et voilà. You don't have like baby? Ok. Parle-moi avec toi. Ici, les jardinières sont très courageuses. Gros respect pour elles. Attends. En fait, les temples ici, c'est comme les femmes. On découvre d'abord l'extérieur, l'enveloppe, on la juge, et ensuite, on va rentrer dedans pour mieux comprendre. Oh la vache, je crois que j'étais vraiment pas prêt. Avec tes mots. Tu peux me la faire en politiquement correct, s'il te plaît? Ici, il fait chaud. Les jardinières travaillent dur. À la base, je voulais pas dire rentrer dedans dans son sexuel. Je voulais vraiment dire la personne. J'ai pas réussi. Ici, les jardinières, elles sont super courageuses parce qu'elles travaillent sous le sommet. Et maintenant, on va aller juste se déguster. Et maintenant, on va aller juste se déguster. Vishnu, c'est lequel? Vishnu, je crois que c'est celui avec la trompe, ça doit être l'éléphant, il me semble. Je crois, oui.